Télévision nationale d'Haïti pour ce journal. Les travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport international Toussaint Louverture prendront fin, comme prévu au mois de septembre, assurent les représentants de Vorbéfis et de Azel, les deux compagnies qui exécutent les travaux. Ces responsables de chantier déplorent toutefois le retard enregistré dans l'avancement des travaux en raison des pluies de la semaine écoulée, surtout la particularité de la sécurité de l'aéroport. Le processus de réhabilitation de la piste de l'aéroport a été lancé il y a environ 6 mois par le président de la République, Jovenel Moïse. Suivez. En résumé, le travail qui est dans le projet, donc c'est mettre à norme et piste et aéroport. Donc c'est nous qui sommes dans un premier temps pour que nous soyons capables de mettre en homme piste aéroport et puis dans le second temps pour que nous soyons capables de réhabiliter tout le système électrique pour aéroport. Et qui ça travaille ça ou ça doit permettre nous faire? Qui avantage qui gagne dans le travail ça? Donc avantage qui gagne dans le travail ça, donc permettre que nous soyons capables de mettre piste aéroport international tout ce nouvel sur capable et rentrer dans les normes internationales. Donc ça fait que nous gagnons un aéroport qui est dans la catégorie 4D. Donc qui c'est et nous connaissons que l'aéroport international c'est le principal aéroport que nous gagnons, donc c'est le plus gros aéroport que nous gagnons, donc la permettre que nous capables de recevoir une série de catégories d'avions que nous ne sommes pas capables de recevoir avant. Ah, voilà, nous connaissons commencé déjà depuis environ 6 mois à relancer. Pendant le relancer, à qui ça fait déjà? Donc ça qui fait déjà et alors dans la structure chaussée que nous gagnons pour nous faire, donc nous gagnons pour nous dans un premier temps et mettez profil en travers et pislan dans normio. Donc ça que nous fait déjà et dans un second temps nous avons pour nous mettre 2 couches de structure. Nous à 90% nous avons mettre une couche que nous avons pour nous mettre yo. Nous était pour que nous mettre 2e couche de structure là qui c'est dernière couche qui pour permettre que avion capable circuler normalement sur piste aéroport. Nous avons besoin de reconstruire accotement là. Chaque côté dans bord renoué. Et c'est ça qui prend en plus de temps. Donc nous mobiliser en pile machine pour excaver, restructurer, reconstruire structure sur chaussée. En 6 mois, c'est qui ça qui est la grosse difficulté nous rencontrer dans le cadre du chantier ça? En pile difficulté, ça, c'est un aéroport international sous trafic. Donc ça qui est important pour nous, c'est que le trafic là, il stoppe dans la nuit. Et nous démarrer le travail là dans 9h du soir jusqu'à 6h du matin, AM. Et la plus grosse difficulté, c'est la sécurité aéroportuaire. Donc, confrontation, c'est que la piste a libéré, l'est propre, pas gain roche, pas gain objet qui traîne sur runway, pour pas que nous gagnions un accident avec avion. Et avec AN, nous travailler avec AN et puis mission de contrôle qui est aéroport de Paris pour que chaque matin puisse la libérer, l'y propre et que trafic la puisse recommencer à 6h du matin. Mais nous connaissons mois de mai, il y a un pile la pluie qui est tombée. Est-ce que nous ne craignons pas que la pluie à tout, bah nous tifie la retourne? Bon, la pluie pour nous est une difficulté, ça c'est clair. Et c'est problème que nous gagnons, même à soir, risque de pluie là, l'y fort. Et c'est pour ça que nous limitons le travail dans l'exécution. Le chantier est capable de ralentir un petit bagage et pour recommencer plus fort dans le mois de juin. Et qui s'accrète pour faire comme travail? Qui ça? Qui s'accrète pour faire comme travail? Le reste à faire. Le reste à faire. S'accrète sous chantier et principalement à faire élargissement. Et nous sous 6300 mètres. Longueur totale piste, c'était 3000 mètres. D'accord? Et nous terminer avec accotement d'ici fin juin. Nous avons besoin encore faire moitié de la piste encore, dans l'élargissement accotement et revêtement final là. C'est beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez que dès les 6 mois, nous avons bien temps de livrer marchandises là dans le délai ça? Nous avons jusqu'à septembre pour nous remettre le travail là? Effectivement, nous manquons temps, ça c'est important. Le chantier officiellement est terminé dans le mois de septembre. Donc nous avons un temps encore terminé. Le seul bagage qui est resté, c'est revêtement final avec élargissement sur moitié piste, sur mi-temps piste et affaire d'éclairage que nous avons déjà installé. Éclairage définitif, nous déjà dans moitié exécution là.
Autre point, début d'une série de consultations médicales dans la commune de La Caillès ce vendredi 11 mai. Cette activité rentre dans le cadre d'une démarche de la direction de la défense civile du ministère de la Défense nationale en collaboration avec les forces armées à l'occasion de la célébration des 214 ans du bicolore haïtien le 18 mai à venir dans la ville. Non, pour médicaments, non plein médicaments, pour tout cas là. Donc, Mounio, c'est consulter biomédicaments et avec précision, ce sont des médicaments que nous de bio gratuitement. Gratuitement. Nous avons un effectif de 4 médecins non, pour le ministère de la Défense. Les 4 médecins sont là. Nous avons 4 médecins et 6 infirmières qui sont là pour le service. Les soldats sont là, pour discipline et pour remplir des dossiers pour nous. Pour moi-même, c'est un bon travail lié. Pour les jeunes, c'est un bon travail lié. Parce que le cas docteur, il ne faut pas passer, il ne faut pas aller au lieu, ou pas bien comme. Si le travail ça vient fait là, c'est un bon genre de travail lié. On a fait travail. Un bel travail, c'est bon Dieu qui a pour faire ça. Un bel travail pour faire belle bagage, autant mais faire belle pour faire belle plus. Ouverture ce vendredi à Pétionville d'une foire sur l'habitat, une initiative de l'association dénommée J'organise. L'événement réunit des entreprises et professionnels évoluant dans le domaine de la construction. C'est aussi un moyen de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques et l'utilisation de matériaux de qualité dès qu'il s'agit de construire. Suivez. C'est un événement qui voulait réunir tous les professionnels qui travaillent dans la caille ou bien un artisan qui vont article qui ka utilisé dans kay et c'est dans cadre ça que je dis à nous dans salon de l'habitat et c'est avec un pile plaisir que dans même objectif pour nous prôner les bonnes méthodes de construction les meilleurs matériaux des matériaux qui innovants qui cap utile pour construction ici d'autant plus que nous connaît que Haïti son pays qui a caractère sismique et moun yo malheureusement même après le tremblement de terre nous continuons à construire de façon anarchique. Il y a un objectif salon de l'habitat, c'est mettre moun yo en façon réalité. Que réalité permet que moun yo wè kayon l'autre gens, construire kayon l'autre gens. Ou pas construire jodi pour demain, ou construire pour la vie et de ce fait pour construire pour la vie, faut utiliser des matériaux qui plus bon qui respectent les normes internationales et également faut faire appel à des professionnels qui compétents. C'est dans le cadre de ça que nous avons lancé l'appel là. Tout professionnel et quelqu'un qui te bat retour là. Et c'est pour ça ouais, que nous avons à peu près trois entreprises de construction qui sont Accor, Gencorp et puis Racodeco. Le secrétaire rapporteur de la commission Affaires étrangères du Sénat se montre satisfait de la décision des Nations Unies de procéder au remplacement de Susan Page à la tête de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Le sénateur Kedler Augustin qualifie ce changement à la tête de la MINUSUST de victoire pour la diplomatie haïtienne. C'est une victoire pour la diplomatie. Il faut que je dise que je et passé dans pile média et me font déclaration officielle pour me condamner déclaration que représentante secrétaire spécial secrétaire général des Nations Unies a été fait lorsque tu as un juge qui te recevoir plainte pour des ordonnateurs et comptables de deniers publics dans cadre enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé que Sénat lui-même l'a fait. Moi, j'étais très estomaqué, capable de dire en créole, et moi, j'étais estimé que non seulement c'était une arrogance, une ingérence grave, mais également, diplomate des Nations Unies ont fait preuve de toute insuffisance que le gagnant pour être capable de mener à bout une mission que les Nations Unies voyaient dans le cadre de renforcement de la démocratie, de renforcement institutionnel. Mais moi, je n'ai pas de comprendre que les gens sont experts des Nations Unies. Pour pas qu'on ait, on va comprendre le peuple, quelqu'un qui a parlé, qui a dit, oui, Petro-Caribé, on va comprendre ça. Mais l'autre dit, nous sommes experts des Nations Unies qui viennent travailler sur ça. On va connaître l'élément, bagaille élémentaire, ça en matière de justice. Donc, moi, j'étais obligé de venir énerver. Et je suis bien content, moi, saluer la décision que le secrétaire général des Nations Unies a prend pour que yo levé Mme Susan D. Page. Bon côté, pas nous au niveau du Sénat de la République, au niveau du bloc majoritaire. Parce que quand même, c'est moi-même qui t'ai proposé, collègue, une résolution. Et tous les collègues,
ont voté résolution ça à l'unanimité qui permet que je dis à dossier à l'encontre des côtes. Moi estime quand même que son grande satisfaction, on va parler de victoire. Victoire, c'est que dossier Petro-Caribéa doit faire cool pour que je dis à monde qui était bien géré l'argent de l'État, pas que monde qui fait mal, mais monde qui était mal géré tout, yo prend ça la loi, te respecter pour eux. Mais c'est pas un politicien qui va décider soit pour mettre moun la valas lem vle, pour mettre moun tête calé lem vle, et bien c'est ça m'te épanier pays à de ça là. Autre dossier, la Malap vole au secours du lycée Alexandre Pétion en vue de contribuer à l'assainissement de l'environnement de l'établissement. Une moto à trois roues a été remise ce vendredi à la direction de l'école. Ce matériel servira notamment au ramassage des ordures sur place. Le directeur de l'institution salue ce geste de l'amicale des anciens du lycée Alexandre Pétion qui, selon lui, permettra aux élèves d'évoluer dans un espace favorisant leur apprentissage. Suivez. Un projet que nous gagnons, que nous voulons supporter le lycée Pétion. Supporter le lycée Pétion parce que nous avons un projet d'école en dans le lycée ça pour nous faire de l'école ça, en l'école qui est capable de comparer à n'importe quelle école qui est au Canada, États-Unis, la France, etc. et en Europe. Maintenant, et nous commençons par la propriété, son projet d'école, mais nous rendons compte par rapport avec l'insalubrité qui existait autour de Timounio, eh bien, développement, ça n'a pas qu'à rentrer dans la pédagogie directement, eh bien, nous voulons passer par la propriété. C'est ainsi que nous commençons avec la propriété. Nous faisons ensemble des mobilisations avec les élèves, mobilisation en passé, sensibilisation en passé. Je dis, on se souvient dans le lycée Pétion, on va bien dans le lycée Pétion sale. Pour qui raison? Parce que les élèves nous motivent, ils connaissent, ils ne pas doués, eh bien, je ne pas gradé. Nous résoudons le problème ça. Cependant, par rapport au problème qu'on connaît pays à gagner, eh bien, nous avons des difficultés pour que nous transporter des chaises pour nous jeter au côté de nous. Donc pour raison ça, nous avons fait appel avec quelques amis, quelques anciens élèves du lycée Pétion pour te porter un coup de main. Et c'est comme ça que nous rencontrons ensemble avec Vaxon Meloni, qui sont anciens élèves du lycée Pétion qui d'accord pour te coller. Je dis, nous avons dit, nous avons une motocyclette, ça les tricyclants, côté que depuis nous avons des déchets là, depuis nous avons fatra, nous sommes capables de transporter le canal jeter exactement côté la mairie bail pour faire ça. Nous encourageons tout directeur de l'école, et en particulier directeur lycéo. Donc pour qu'ils soient capables, même gens ensemble avec nous, faire une campagne de motivation avec les élèves pour que les gens entrent dans l'école pour qu'ils soient capables effectivement son l'école côté qui est sur le monde. C'est ça que j'ai aimé lancer avec tout le monde qui a dirigé l'école pour que les gens entrent dans l'école là pour ne pas patron dans l'école là. Le colloque sur la fiscalité Bucofisc est arrivé ce vendredi 11 mai à son terme. Durant cette dernière journée, les intervenants ont abordé diverses thématiques liées à la question fiscale en Haïti. Je dis à la fiscalité moderne n'est pas faite uniquement pour chercher quoi. Elle est faite également pour que l'État utilise l'impôt de manière la plus intelligente pour créer richesse en la croissance économique. Parce que, pas oublier, ou pour un pays, côté pratiquement, gagner 60% de monde dans la donne à vivre avec moins de dollars américains. On se fait payer pour tout. Donc, le monde, ça, il a une capacité contributive. Mais, en même temps, il faut créer une opportunité avec un pouvoir pour que le monde qui gagne un coup de l'alien, il a bien investi. Donc, quelque part, bon, juste mesure qui vous joigne là, et c'est là l'État doit faire preuve de créativité, d'ingéniosité, pour que un pouvoir n'est pas seulement mettre en phase sur le côté finance, mais mettre en phase aussi sur le côté économique, sur le côté social. Et comme on a toujours dit, pas oublier, l'impôt est un choix d'abord politique avec des contraintes économiques et sociales. Ça veut dire au pape qu'a nié que lorsqu'on choisit pour imposer un bien par rapport à l'autre, on va pas nier que les contraintes sociales, les contraintes financières, les contraintes économiques faut tenir compte de eux parce que quelque part, pas oublier l'impôt qu'a aussi entraîné, ça n'a pas été les manifestations, l'impôt politique aussi, l'impôt qu'a entraîné sur sauf politique et l'autre gain la guerre du thé. Pas vrai? Aux États-Unis, ça te montre pas qui sympathiquement. Il montre par exemple que l'impôt n'est pas un bon élément tout à fait neutre politiquement parce que chaque fois que l'impôt, le monde va le payer là, ou les catégories vont le payer là, il sent intérêt lésé. C'est une mauvaise pratique qui remontait à la période 1995-1996. Côté pour faciliter que le Parlement vote le budget, il a inséré la loi fiscale en mi-temps budget même. Ce sont très mauvaises pratiques. Il fait un, que l'usager, le monde qui prend la loi fiscale, utilise, il a gagné un problème d'accessibilité. Parce que
chaque fois modifier un budget, un budget là pour une année. On loi fiscale là lui-même, il a supposé en principe là pour une période beaucoup plus longue. Ça crée confusion. Deuxième bail, il crée encore. Il crée le fait que vous avez une précipitation. Pas oublier, par exemple, vous avez fait un texte, par exemple, sur un locatif, CFPB, vous avez changé 2015-2016, les mairies contestées ou pas appliquées, ça a arrêté pendant 2 ans, vous venez retourner avec une autre disposition en 2016-2018. Donc, qui s'est passé? Là, où tant vous avez fait budget, ou créer un impôt, ou créer un nouveau tarif, ils créent une précipitation. Les pouvoirs publics, ils arrivent à bon point d'équilibre ça, pour un ancrage ça, pour que nous ayons un budget qui fait, tout le monde concerné, et l'exemple aussi, il faut le parti dans le rendre compte. Il faut rendre compte également. Il faut un pouvoir prélevé, et il faut un pouvoir pratique, retourner vers la population, avec des services, en qualité et en quantité, c'est seuls gens pour faciliter la transparence. Parce que quelque part, une meilleure façon pour motiver un pays impôt, c'est rendre compte de sites de ressources, d'utilisation. Et à ce moment-là, nous sommes concernés, nous avons confiance. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a remis des matériels agricoles à 3 associations de producteurs de lait à Thomassin, à Gressier et à Damiens. Cette initiative vise à renforcer la production de lait en Haïti. Ce projet coûte 600 000 dollars américains, révèlent les responsables du ministère. Le ministère de l'Agriculture, tout en misant sur votre professionnalisme et votre savoir-faire pour une valorisation efficace de ces laiteries, prend l'engagement solennel de vous accompagner sur le plan technique, managérial et commercial. Je vous promets un meilleur rapprochement entre les directions techniques du ministère et ces laiteries afin que ces produits, à savoir le lait stérilisé et le yaourt, puisse atteindre le standard international. La fonction de la FAO dans tous les pays où on travaille, c'est simplement d'aider le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, à implémenter des idées, des projets, des stratégies pour améliorer les conditions de vie de la population rurale. C'est ça qu'on fait ici en Haïti. La FAO a beaucoup d'expérience, a beaucoup de connaissances, et on voit ça pour aider les gouvernements à implémenter des activités pour aider, pour améliorer les conditions de vie des producteurs, surtout les petits producteurs. Les tritobacco déjà, c'est une réussite pour les producteurs tobacco qui étaient déjà pas gagné le marché pour les vendre l'être. Et les tritomazo déjà fait un pile effet si mon tomazo qui prend le patron de l'agricole à travers les tria, les plats vendent bien, ils fait corps, ils permettent que si mon à l'école, tous les jours. Les tritomazo permettent aux producteurs de tomazo de jouer une possibilité, ils jouent un corps, ils mettent dans le prochain chaque 15 jours ou bien mois. Comme ça, déjà son corps qui a fait roulement en carrière, qui a payé l'école. Déjà son gros ici pour toute partie des saillots qui ont collaboré ensemble, qui ont permis que vienne gagner les tris à Tomazo pour permettre que tout le monde qui va dans l'école vienne vers l'école. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique attire l'attention de la population et de la presse en particulier sur les rôles et responsabilités des médias et des journalistes dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Aussi, le ministère a adressé une correspondance aux associations de médias et des journalistes sollicitant leur collaboration pour renforcer les efforts engagés pour freiner tout dérive. Le MJSP dit constater que plusieurs journalistes et médias prennent plaisir à recevoir dans leurs émissions de Libre Tribune des bandits recherchés par la police nationale qui pisaient. Ces bandits avouent dans ces émissions leur implication dans différents crimes, paniquant ainsi la population et menaçant à travers la presse les forces de l'ordre, ce qui fait des professionnels du métier du journaliste, sciemment ou non, des complices de ces bandits, poursuit
la correspondance du MJSP. Par conséquent, en vue de respecter l'exercice de responsabilité de la liberté de la presse, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique exhorte les journalistes à éviter d'accorder la parole à ces individus qui n'ont jamais cessé de menacer la stabilité du pays. L'Association des médias indépendants d'Haïti reconnaît la nécessité pour les patrons de presse de veiller à la déontologie du métier. Le président de l'AMI réagit ainsi au communiqué du ministère de la Justice appelant à ne plus donner la parole aux bandits. Georges Venel Rémaret dit croire que les patrons de médias ont la responsabilité de vérifier les productions des journalistes. Le directeur général de Radio Solidarité confirme avoir reçu au nom de l'association une correspondance du MJSP à collaborer en ce sens. Le ministre a demandé collaboration, donc pourquoi pas, et nous prêts pour nous collaborer et nous prêts tout pour analyser avec le ministre éléments qu'il y a dans le milieu pour nous capables si il y a des bagailles graves qui fait et que les médias rendent être coupables d'une violation de propre déontologie. Et cependant, et nous-mêmes côté ça, on dit genre, et m'a dit tellement agaçant, mais quand même, et qui fait que nous tiquer, c'est là que le ministère a dit que c'est la plupart des médias qui, quasi quotidiennement, ça veut dire presque chaque jour, bat bandit parler dans le micro radio. Pour le ministre, tu as exposé. Ça a gagné maintenant pour nous, well, pour analyser, pour nous voir si gagné une forme de violation là-dedans, si gagné une forme de complicité entre ça et les bandits hein, et journalistes là. Faut être capable à partir de ce moment-là, c'est clairement prouvé que journalistes là, les quelque part appuyés pour éventuelles menaces. Que un bandit a fait la micro, il montrait que lui, quelque part, d'accord avec elle, eh bien, vérité a, nous avons obligation pour nous dire. Pour sa part, le président de l'Association des médias haïtiens dit dénoter un manque de précision dans la correspondance du ministre de la Justice. Franz Duval affirme que les médias membres de la NMH sont prêts à collaborer avec le ministère moyennant la communication d'informations plus spécifiques sur les attentes. Le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste estime qu'il est normal qu'un journaliste accorde la parole à quiconque sans pour autant devenir son complice. Nous regrettons le fait que le ministère fait une généralisation dans le communiqué. Le ministère dit que la plupart des médias, la plupart des journalistes ont des criminels parlé. La plupart, je veux dire en créole, presque toutes. Est-ce que TNH là-dedans? Est-ce que Nouvelliste là-dedans? Est-ce que tout média dans le pays là-dedans? Le ministre n'a pas précisé. Et il se trouve que la justice a besoin de précision. L'homme qui fait un bagage, c'est l'homme qui est responsable de ça le faire. L'autre monde qui n'est pas fait, pas responsable pour lui. Et la justice n'est pas faite pour le généraliser. La justice, il faut une précision là-dedans. C'est premier ça, nous regrettons dans le communiqué du ministre de la Justice. Là. Deuxième ça, nous regrettons dans le communiqué du ministre de la Justice. Là, il dit que les journalistes qui sont criminels, que la police a cherché la parole, sont complices de criminels. Yo. Nous, c'est la presse. Job la presse, c'est que tout le monde parle, quel que soit le monde, quel que soit ça le monde fait. Particulièrement, c'est parce qu'il y a une liste qui dit qui est-ce que la police a cherché, qui est-ce que la police a couru derrière elle, qui est-ce qui est criminel, qui est-ce qui est condamné. Et même si le monde a condamné, même si il a couru derrière elle, le journaliste a droit de parler. Cependant, le journaliste a connu, il faut prendre des précautions d'usage, il faut qu'il fasse mise en contexte ça pour dire ça un criminel l'a parlé ou la police a cherché que l'a parlé. Il faut prendre distance avec le monde, il n'y a pas pour faire porte-parole de le monde, il n'y a pas pour à l'aise à le monde, il n'y a pas pour faire un cadeau, mais il n'y a pas pour poser une question, quel que soit le monde. L'on avocat parle avec un criminel, il n'y a pas un complice criminel là pour autant. L'on docteur joue un monde qui prend balle, il soigne, que le monde est bandit, que le monde n'est pas de bandit, le docteur n'a pas un complice monde pour autant. Journaliste, surtout, il parle avec quel que soit le monde, que ce soit le monde qui fait crime à Zam, que ce monde qui fait crime, d'Acadien, col blanc avec un plume dans le menu. Journaliste n'a pas complicité. Journaliste n'a pas complice personne. Tout le monde fait travail. La police, la justice a couru derrière les gens qui font ça, pas ça. Journaliste a informé la population. Depuis tout le monde respecte les règles de profession, je trouve que le ministre
l'elle dit que nous tout complices là, ministre Antijan allait loin. Le ministre mandé commissaire gouvernement pour poursuivre journaliste comme complice, ministre Antijan allait loin. Peut-être que son excès de langage qui fait dans communiquer ça parce que ministre Ali fait venir. Mais nous même dans NMH, nous disposés, nous disponibles pour aider autorité dans la bataille qu'il a fait, mais faut que chaque monde reste dans la profession. Journaliste, c'est journaliste, la police à la justice, c'est la police à la justice. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un très bon week-end.